je reviens vers vous. Je vais vous brancher correctement parce que là, j'ai fait tomber la caméra il y a 2 minutes. Je vais arrêter la radio. Voilà. Alors, je vous explique. Sur mon carton que j'ai fait au départ, vous êtes de travers, que je vous montre la totalité, le reste vous en foutez. Voilà. Bon, je vais te mettre la main dans le tampon. C'est malin. J'ai mis mon papier intérieur, j'ai remis mon blanc, j'ai ombré tous les bords. Par contre, ben voilà, j'ai perdu mes aimants. Alors déjà qu'il m'en manque, le troisième il est là. Alors où c'est que j'ai mis mes deux aimants? Mais voilà. Voilà, comme ça je ne les perdrai plus. Alors, je vais enlever ce qui risque de se coller dessus. Les aimants, il faut que vous en mettiez sur ce côté-là, qui est l'intérieur. Il faut en mettre 3 ici. 3 ici. Je les ai incrustés. Et 2 ici. Et 2 ici. Alors, vous voyez, j'ai fait des trous pour incruster les diamants dedans. À toi, voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas de décalage par rapport à l'aimant, par rapport à mon papier, parce que moi mes aimants ils font 1 mm, même je sais pas s'ils en font pas 2 parce qu'ils sont vraiment gros. Ils font combien? Oui, ils font 2 mm, ils font pas 1, ils font 2 mm d'épaisseur, mais alors ils sont super puissants. Voilà. Ils ont, comme tous les aimants, ils ont un pôle. Donc, il faut faire attention quand on les colle. Alors, j'ai déjà collé ça. Ça, je ne l'ai pas encore collé. Pour la bonne raison, c'est que il m'en manque. Je ne les ai pas. J'ai collé. Alors là, j'ai collé les 3 qui vont là. Les 2 qui vont là. Et les 3 qui vont là. Les 3 qui vont là, il y en a un de collé. Et ceux qui se sont décollés, ce sont ceux-là. Alors, pour pouvoir les coller, je les mets en relief autour et je viens les placer. Je mets au pistolet à colle, je viens coller à l'intérieur et je viens les coller comme ça. Et après, je mets mon papier décoration dessus pour pas qu'il bouge parce que sinon, vous voyez, ils viennent se décoller. Bon, mais là n'est pas mon sujet de conversation pour l'instant. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai mis mon papier décoration sur le dessus, celui du dessous, et dessous je vais y mettre un plexi pour le protéger, le dessous. Et en plus, je vais y mettre 4 pieds. Alors j'ai oublié d'apporter les pieds. J'ai bien mon pistolet, mon appareil pour faire les trous, mais... Alors, comme c'est du carton, il vous faut quand même quelque chose de costaud pour faire les trous. Moi, j'ai ça. J'ai mis des marques à 2 cm. Je sais pas là. J'ai mis des marques à 2 cm de chaque côté des bords. Hein, des bords. De façon à 2 là et à 2 là, pareil sur les 4 coins pour faire mon trou. Donc, je vais placer
faut bien qu'ils soient placés correctement. Voilà pour un trou. Je vais faire celui d'à côté. Faire très attention que le plexi soit bien en place. Je vais mettre mes pieds en même temps. Je fais pause et je reviens. J'ai peur que mes pieds ne puissent pas se glisser. Donc, je prends pour faire les pieds, j'ai pris des petites vis comme ça. Alors, je les défais. Elles sont vissées l'une dans l'autre. Et je les ai pris rustiques. Pour la bonne raison, c'est que la poignée sera rustique aussi. Voilà, c'est ces petites choses-là, comme ça. Voilà, avec la vis à côté. Alors, je les mets correctement, vous puissiez voir. Voilà. Alors, je vais remettre. J'en ai déjà lissé un. Et comment ça se fait que vous y voyez moins qu'hier? Je ne comprends pas. Là, je vais faire mon deuxième trou que je n'ai pas encore fait. Je le fasse correctement quand même. Voilà. Hop. Et je mets ma petite vis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un bout de carton qui est resté coincé dedans. Voilà pourquoi j'ai pas remis mon papier. Parce que là, il va y avoir le papier qui va venir par-dessus. Là, je vais fermer les deux trous qui me restent à faire. Un ici. Et un là. Alors, l'avantage d'avoir cette machine, c'est que j'ai un bras qui est long, un col de cygne qui est assez long pour pouvoir le rentrer dedans. Voilà. Alors, comme l'autre, c'est pareil, il est vissé. Ils sont tous vissés d'ailleurs. Hop, voilà. Maintenant, j'ai mes quatre pieds. Dessous. Vous les voyez peut-être pas. Si. Voilà. Donc, il me reste maintenant à finir de mettre mon papier ici. Là, je ne l'ai pas collé parce que je n'ai pas les aimants. C'est normal.
Là, je vais mettre mon papier ici. Je prends ma feuille. Je mesure. Mon crayon. Et je viens couper. Alors je coupe en dedans de autour de traits de crayon. Voilà. Voilà, et ça représente, alors maintenant il suffit de le mettre correctement, de ne pas se tromper. Donc il faut que je mette mon scotch de ce côté, que ça vienne coller là. Je vais faire mes plis là où il faut les mettre, pour les retrouver après. Ça se colle après les aimants. Ça y est, je vous ai bousculé. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Et je vais mettre mes adhésifs sur ce côté. Alors j'ai les doigts bleus, c'est quand j'ai ancré, j'ai rechargé mon encreur. Et le problème, c'est que ça a coulé à côté, j'en avais de partout. Alors j'en ai plein les doigts, plein les mains, mais bon, c'est comme ça, hein. Vous me prenez comme je suis, avec les taches. Si ça ne vous plaît pas, vous allez voir ailleurs, tout simplement. Voilà, donc je vois les filles qui disent, oh ben pardon, j'ai oublié de me laver ci, j'ai oublié de laver ça, je m'en fous. Tout simplement, moi c'est pas mon problème. Ce que je veux faire, c'est faire mon truc. Si j'ai de la teinture qui dépasse d'un côté ou d'un autre, je m'en moque éperdument. Voilà. Chez moi, c'est comme ça. Alors. J'enlève le surplus ici. Je garde les petits bouts de scotch parce que ça peut toujours être utile. Là, il me faudrait ma règle parce que sinon, je vais couper à côté. Et faites attention à vos lames de cutter. Hein. Qu'elles coupent. Si elles coupent bien, il n'y a pas de souci parce que quand elle ne coupe pas, on frotte, et puis c'est comme ça qu'on abîme nos découpes, en forçant dessus. Voilà. Alors, regardez ce que je fais. Moi, sur mes plis, je vais mettre un léger coup de cutter, un léger
pour dire de pouvoir décoller ma bande après. Je ne coupe pas. Je caresse. Voilà. Je reprends mon carton et je viens le coller là. Alors, je vais d'abord coller celui-là. Si je retrouve mon outil. Et ça, je viens le coller là. Mon clignoir. Ma mouflette. Ma flûte, mouflette. Je marque bien autour de mes pieds. Et maintenant, je vais marquer ici. Alors ça... Ça va être un petit peu large. Je vais en recouper un peu sur les côtés. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, coupez bien à l'intérieur du trait. Là, ça va aller. Alors là, il y a un pli. Il faut bien rentrer dans le pli. Et écraser. Alors, ce qui dépasse, on le coupe. Voilà, par terre. Mais ça ira pas plus loin. Hein. Alors, j'ai coupé en deçà du crayon, mais malgré tout, tu vois, j'en ai pas enlevé suffisamment. Voilà. Alors là, ça va être pareil, à mon avis. Je vais l'enlever de suite. J'appuie un petit peu plus. Ça, c'est que le papier de... Ça va partir. Hop. Youp, là. Marquez le pli. Et je m'en rouffle.
Voilà, l'intérieur est fait. Je vais prendre mon outil à ombrer, mettre mes bordures, faire mes bordures que je n'ai pas fait. Il y a l'album qui a se collé là, hein. Voilà, il y a encore tous les papiers de décoration intérieure à mettre. Voilà, alors mes deux aimants qui vont là, je vais les recoller. Alors je les colle avec du au pistolet à colle. Respectant bien l'épaule. Attention, hein. Alors, je vais coller d'abord celui-là, qui est celui qui est ici. Donc, voilà. C'est ce côté-là qui vient coller ici. Et ici, en appuyant bien. Je les laisse refroidir et je vais mettre mon papier décoration qui est par là. Alors, j'ai voulu faire une imprimante parce que j'en ai pas trop. C'était trop clair ou trop foncé. Alors, on va utiliser le plus foncé pour l'instant. Le plus foncé, j'ai juste la longueur. Hein. Donc, je ne peux pas faire mieux. Je vais couper les bordures. J'ai plus de massicot, je vais couper comme ça. Alors, pour information, pour faire le dessous de la boîte et tous les côtés, il vous faudra trois feuilles identiques. Hein? Quand vous commandez, faites bien attention à ça. Hein? Il vous faut quand même trois feuilles identiques. Alors là, il me faut mon crayon. Je sais pas si je vais le voir, le trait là. Il est là, mais... J'ai un problème, ça me paraît pas droit. Si, c'est ça. Si, c'est droit. C'est mon œil qui est pas droit.
Vous voyez ce que je fais? Non. Oui, un peu quand même. Vous voyez, madame, elle est nickel, hein, elle coupe bien. Hein. Donc, faites bien attention à ça, ça c'est important. C'est pareil, pour les aimants, je ne les ai pas mis au milieu. Je vous explique pourquoi. La bande, là, fait que 3 cm. Donc, là, j'ai calculé pour la mettre 2 cm du bord. Mais du coup, là, je ne peux pas la mettre à 2 cm. Donc, je l'ai mise à un petit peu moins. Voilà. Donc, là, c'est pour ça que là, il faut faire très attention quand on fait. Pour bien le marquer, le coller, le cacher. Alors, hop, je vais ombrer ça. Lui, j'en ai pas besoin pour l'instant. L'autre jour, je disais que je faisais mes peintures chez moi. Ça y est, j'ai fini. J'ai repeint tout mon couloir, toutes mes portes. Il y en avait, je sais plus, 5, 6, 7, 7 portes. Recto verso, bien entendu, comme toutes les portes, elles ont un côté et un autre. Et ben, c'est du travail. Et ça m'a pris du temps. Alors, donc, j'ai de la colle là-dessus. C'est bien malin, ça. Je vais mettre mon scotch là-dessus. Et là, je vais y mettre un autre bandeau de scotch par-dessus. Toujours, je mets sur le bord extérieur. Si ça se chevauche sur le scotch, ça n'a aucune importance. Si vous utilisez le scotch, hein, si vous utilisez la colle, vous n'aurez pas ce problème-là. Je recoupe ce qui dépasse. Et j'évite de le mettre sur la table pour ne pas avoir de problème. Et je commence par le scotch qui est dessous. Je vais mettre celui qui est dessus, puis se recoller après. Voilà. Mais vous en faites pas, ça fait pas un bourrelet supplémentaire. Hein. C'est celui-là. Alors attention au sens des dessins pour avoir les mêmes. Et on vient coller ça là-dessus. Voilà. Là, je vous ai montré la deuxième partie. Plus importante pour la boîte. Et quand toute la boîte est faite, quand vous avez fait vos décorations partout, collées partout, avant de coller l'intérieur, on va s'occuper de l'album. Avant de faire l'intérieur. Hein. Voilà, vous collez vos aimants, vous collez votre papier intérieur qui va doubler pour tenir vos aimants, et votre papier décoration sur l'extérieur. Vous le collez partout. On est à 30 minutes. Je vais m'arrêter là. C'est pas la peine que j'aille plus loin. Vous savez faire ça. Pour la découpe des papiers, je prends un demi centimètre de moins par rapport
à la largeur, c'est-à-dire que là, ça faisait 18 et demi, donc j'ai pris 18 sur 30 au lieu de 30 et demi, d'accord? Et là, j'ai mis un demi-centimètre de moins. La boîte, elle se ferme comme ça et comme ça. Et j'ai pris cette petite poignée pour mettre là. Bien au milieu, quand j'aurai mis ma bordure. Peut-être je vais le faire tout de suite, comme ça vous verrez comment je fais. Parce que ça, je peux le faire. Alors ça, il faut que je le mette comme ça. Et je vais prendre des papiers plus clairs. Alors la chute de ce carton. Voilà, ce qui est dessous et puis sur les côtés. Ce qui ne se voit pas, je mets le papier ordinaire. Photocopie, je veux dire. Là. Voilà. Je vais couper ça. J'ai chaud, mais j'ai chaud. Il fait une chaleur dehors. J'ai encore pas mis la clim, mais ça va pas tarder. Si ça continue comme ça va pas tarder. Parce que moi, je supporte pas la chaleur. J'ai déjà viré la couette dans le lit et puis tout le bazar. Donc. Là, ça va commencer à être quand tu arrives le mois de juin. Et encore, je trouve que cette année, c'est plus tard que d'habitude. Au mois de mai, j'ai déjà la clim d'habitude. On a coupé le chauffage de bonne heure cette année aussi, hein. Alors là, je vais mettre ma bande de scotch, d'adhésif. Je ne mets pas là-dessus parce que c'est caca. Je le mets là, sur le bord, le mieux possible. Je coupe le surplus. Et là, je viens couper le reste. Ah, j'ai un pli. Ma règle. Hop, ça, je le garde. Je reprends ma boîte. Je suis obligée de faire comme ça pour que vous puissiez voir, mais je vois que vous ne voyez pas grand chose. Comme il s'est cassé la figure et s'est déréglé, cet imbécile. Le vilain. Mais c'est moi qui l'ai envoyé promener. Et là, il faut que j'arrive à défaire ça. Qui dépasse en scotch, je le rabats à l'intérieur dessous de façon que ça colle pas, parce que ça peut arriver ça. Alors ça va dans ce sens, non, ça va dans ce sens. Voilà, on maroufle. Là, je vais mesurer comme j'ai 30 et demi de total. Je vais garder mon 30, ma dimension de 30, et je vais diviser en 2 à 15. Je vais faire une marque à 15. La hauteur est de 3 cm, donc je vais mettre 1 et demi. Et mon centre sera là, de cette petite bête là. Voilà, et je vais coller ça ici. Là, il me faut mettre 5 attaches parisiennes que je n'ai pas prises.
ou des petits clous. Mais je non, c'est tellement petit que je ne vais pas mettre des attaches. Je vais le coller au pistolet. Et puis j'y mettrai des perles. Voilà. Je vais le coller au pistolet. Allez, chauffe Marcel. Voilà. J'enlève le caca qui est sur le bout. Ah ben bien sûr, il va manquer de... Est-ce que ça va suffire? Pour le coller, je vais voir si ça suffit pour le coller. C'est bon, si ça suffit pas, mais je referai. Et je vais y mettre des perles. Ma petite pince. Alors, les perles, je prends lesquelles? Je vais prendre des petites. Mais je l'ai perdu. Ah, Nania. Je vais mettre un peu de colle comme ça. Bon, j'ai perdu ma... Ah, elle est là. Voilà une. Deux. Trois. Non, t'es récalcitrante, toi. Ça y est, la quatrième est posée. Et la cinquième. Voilà, et je vais laisser sécher ça. C'est pas utile d'en mettre plus. J'ai déjà les cinq, là, ça suffit. Ranger les perles. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite que ça vous aura convenu. Vous avez bien compris comment il fallait faire. Et pourquoi j'ai mis du plastique là-dessous pour dire de protéger mon fond. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne fin d'après-midi au soleil. Et à bientôt pour la suite. On va attaquer maintenant, on va laisser tomber l'album, la boîte, et on va attaquer les pages. Voilà. Allez, bonne journée, bisous, à bientôt. Au revoir.